Hey yo tout le monde, c'est j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une petite astuce. Donc astuce gamma et en même temps un petit tuto. Donc ça va consister en quoi? Donc c'est les archi monstres. Donc pourquoi je dis tuto? Parce que je vais vous apprendre à comment les capturer. Enfin, les apprendre plutôt à vous dire, parce que je vais pas le faire en live. Mais ça c'est très simple. Hein. Donc je vais commencer par le commencement. Donc où apprendre le sort de capture, parce que il faut le sort de capture. Et donc le sort de capture faut le faire au donjon bulbe, donc c'est à Pandala, Pandala neutre il me semble, bordure d'Aquadala, excuse moi donc en moins en 19.22, donc vous prenez le zap 23 22, et vous, je sais pas si on peut sortir automatiquement, non je pense qu'il faut passer par là et vous contournez là, donc il faut être il faut être bon tarien, faut être de l'alignement qui où il y a les prismes. Donc avant c'était bon tas, maintenant c'est braque. Donc déjà que j'étais content, je pouvais faire ma petite technique Kama Odopel, maintenant bah c'est braque. Donc ça me fout un peu le seum. Les braques commencent à dominer. Mais bon c'est quand même mieux pour Frigos, parce que pour être TP ou pour prendre le prisme c'est mieux. Mais je verrai, vous pouvez être neutre hein. Donc bref, je m'en vais trop loin. Donc donjon bulle, donc caverne de bulle, des bulles, donc faut être deux minimum, même si vous êtes level, même si vous avez ça va être un très gros rockfer, faut être deux, tout simplement parce qu'il faut ouvrir une salle avec des dalles, donc faut être deux. Donc voilà, donc ensuite dès que vous avez le sort de capture qui ressemble à celui là donc avant on pouvait le monter, maintenant il est direct level 1, donc on peut pas le monter. Donc on va dire direct level 6, il vous faut des pierres. Donc les pierres, à quoi ça sert? Ça sert à capturer les monstres. Et, pardon, excuse-moi, vous êtes, ouais, mais on fait comment pour choisir les pierres? Et ben c'est simple. C'est en fonction du niveau de l'archimonstre. Donc si, donc vous avez les petites pierres d'âme, moi je vous conseille seulement les 100% de capture, parce que en revanche j'avais une 75 et puis bah, j'avais eu le seum, parce que je n'avais pas capturé et j'ai fait 55 tours, parce que c'était les équilibristes qui nous faisaient passer des tours, donc ça c'est chiant. Donc quand vous voyez une puissance de 50, c'est inférieur à 50, donc je sais pas si 50 est compris dedans, je sais pas du tout parce que j'ai jamais vu un monstre à 50, mais voilà. Donc ça marche comme ça, s'il est inférieur à votre pierre ça marche. Donc par exemple si il est level, si je capture un archi alors qu'il est level 51 ou plus, et ben vous allez prendre une autre pierre au-dessus. Donc il y a 50, 100, 150, je sais pas s'il y a 250, je sais pas. Mais moi j'ai. Oui, il tape neutre et une autre qui tape pas neutre. Donc moi j'en ai en tout à peu près. J'en ai 74 en tout, s'il est bien compté. Et 7 grandes pierres d'âme. Parfaite, mais ça c'est pour plutôt les captures du donjon, mais voilà. Donc je vais vous dire où trouver les doppels facilement et se faire des commandes. Je vais pas vous dire où je vais moi, parce que je fais que là, parce qu'il y en a énormément, de toute façon je l'ai déjà dit dans une vidéo, donc j'en dirai pas plus, parce que sinon ça va péter un peu ma technique et voilà, j'en ai plein d'autres hein, je vous en dirai, mais je suis peut-être assez avare sur ce coup là, mais excusez moi donc où trouver des archers? Bah, des archers, c'est simple, c'est les zones qui sont très peu fréquentées. Donc quand je dis très peu fréquentées, c'est genre automail, vous en avez énormément, mais quand je dis énormément c'est énorme, surtout au niveau de la plage de corail. Pouvez aller à la baie de Cagna, il y en a, bon j'en ai trouvé, j'ai cherché, j'ai fait toutes les maps, j'ai fait tout ça, j'ai fait vraiment toutes les maps, et j'en ai trouvé deux à la fin, donc c'est déjà rentable. Ensuite, il y a des archimonstres qui coûtent assez cher, c'est les sangliers, je trouve mal, attendez, voilà c'est là, c'est les sangliers agressifs, donc je m'en rappelle plus du nom. Mais j'en ai trouvé que un et c'était pas le bon. J'avais un peu le seum. Mais donc vous explorez tout, faites en vous faites en horizontal, en vertical, comme vous voulez. Ensuite, il y a peut-être les cimetières de Bonta qu'on peut trouver.
Donc moi je au fait pour info si vous voulez essayer de trouver des monstres à Frigos, archi-monstres à Frigos c'est impossible parce qu'il n'y en a pas, tout simplement. Donc ensuite moi ce que je vous conseille c'est quand vous faites vos doppels, si vous les faites régulièrement, donc moi je dis régulièrement chaque jour, et ben faut regarder un peu les monstres, les groupes de monstres qu'il y a et tout. Mais c'est très rare qu'il y en a, qu'il y en ait, excusez-moi. Ensuite à l'île Wabit, des Wabit. Très fort conseil aussi. Donc surtout vers les Wabit squelettes. C'est là où il y en a le plus parce que ils aggro et puis bah ils sont quand même assez forts. Voilà. Ensuite la plage de Moon et bien sûr la jungle profonde. J'ai pas vu ça. Ouais. Faudrait que je le fasse. Voilà. Pour vous expliquer un peu où trouver des bons archis. Maintenant, si vous voulez trouver des archis super bien rentables et tout, c'est Pandala. Donc Pandala par contre c'est dans les levels 150. Donc je vous conseille de prendre une pierre de 150. 150 ça passe tout de suite. Et c'est pas le level du groupe, hein, c'est le level. Le level de l'archi comme pour capturer des un boss de donjon ou même pas un archimon, je sais plus comment ça s'appelle, j'en avais trouvé un. Et aussi c'est là aussi où il y a des archis, c'est au sanctuaire des dragueuls, j'avais trouvé un espèce de monstre bizarre, je lui dis ouais un archi, hop direct, mais c'était pas marqué archi monstre, bah c'était pas marqué le en gras et tout. Donc j'ai capturé quand même et je l'ai vendu quand même mine de rien 200 000 parce que c'était un monstre assez rare et qui XP mieux que les autres, donc c'est un monstre de magie qui m'a dit ça. Donc je l'en remercie. Donc ensuite il y a aussi les koalak, le cimetière prim... non. Ah les koalak et la cim... Ah la vallée de la mort qui tue. Et le cimetière primitif. Voilà. Moi je vous disais à Pandala si vous voulez vous faire des camas, bah... Surtout au bulbe. Il y a des bons. Donc voilà. Donc je vais vous laisser sur ça. J'espère que la vidéo vous aura plu, que ça vous a aidé à capturer... ou à savoir comment capturer, parce qu'il y en a beaucoup de monde qui ne le savent pas. Donc j'ai toujours pas changé mon perso, hein. Donc ça va faire plus de 3 semaines normalement que j'y suis, donc c'est bon, je ne change plus. Je me ferai peut-être une team après, mais bon voilà. Voilà, c'était Elite. J'espère que la vidéo vous aura plu, que vous allez faire des sous-sous, des gamas, que vous allez vous amuser à capturer des archi-monstres. Donc le faites pas pendant 4 heures, hein. Moi je le fais genre, je fais mes doppels, je fais go XP un peu au mood ce genre. Recrute des sasa et puis après je dis ouais j'en ai marre, hop je vais faire mes archis en... pardon avant de me coucher. Donc voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner, à liker, à commenter ou à m'envoyer des messages sur Dofus, donc slash w leads blood leads-blood LITS-BLOOD sur Lily pour des renseignements tout ça. Et voilà, bye tout le monde.